Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, test éclairé et argumenté de Dakar Desert Rally. Sorti il y a un peu moins d'un mois, je vous propose aujourd'hui de partager mon expérience et mon avis en tant que joueur sur ce titre. Alors pourquoi ne pas avoir sorti le test plus tôt ? Eh bien pour différentes raisons, pour me laisser le temps d'évoluer dans le mode carrière et surtout pour pouvoir profiter des mises à jour proposées, en tout cas annoncées par les développeurs puisqu'il y a un petit roadmap des mises à jour qui vont arriver dans les jours et les semaines à venir. Ce test est évidemment un avis qui reste le mien. Vous avez comme d'habitude dans la description le chapitrage de chacune des sections de ce test. J'essaie d'être le plus complet possible. Je vous rappelle que cet avis n'est que le mien. Vous avez la possibilité de vous en faire d'autres via d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs ou d'autres sites spécialisés. On commence comme d'habitude avec la partie présentation du titre. C'est parti. Pour t'aider à remporter la course, je lirai les notes du roadbook si tu suis mes... C'est un jeu que l'on doit à un studio portugais. Et oui, il y a déjà 3 ans, nous avions eu l'occasion de découvrir un nouveau jeu Dakar qui avait fait parler de lui avec pas mal d'éléments positifs. On pouvait sortir de la voiture, placer les rampes, avoir un roadbook adaptable, des maps qui évoluent. Bref, la base, sortie il y a plusieurs années, était vraiment bonne. Et donc, on attendait la suite et voici donc ce Dakar Desert Rally. Édité et développé par Saber Porto, un studio donc portugais, je l'ai dit. Le jeu est sorti le 4 octobre 2022 sur PC, Steam, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Pas de version Switch annoncée. Le contenu officiel du jeu contient le Dakar 2020, 2021 et 2022, en tout cas en termes de véhicules et de maps. On y retrouve les langues textuelles et audio français. Le prix conseillé est de à peu près 50-60 €. Selon où vous le trouvez. Voilà un petit peu pour les informations de la boîte. C'est un jeu qui n'était pas forcément très attendu, mais qui a su jouer sur le teasing et l'attente des joueurs, avec notamment un trailer reprenant la célèbre 405 d'Ari Vatanen. Le contenu en vaut-il la peine? On voit ça tout de suite. Restez sur les traces, sinueux, 1 km. Lorsque l'on évoque une épreuve comme le Dakar, on est en droit de s'attendre à une liste de véhicules plutôt complète et éclectique. Ici, on peut dire que ça pourrait être mieux. Avec un total de 150 véhicules répartis dans 5 catégories, voitures, camions, motos, quad et buggy, on retrouve des véhicules essence, des véhicules électriques avec l'arrivée de la nouvelle Audi buggy de 2022 qui nous propose un gameplay relativement différent et un contenu assez varié. Je vous rassure, malheureusement, il n'y a pas 150 modèles différents. Au total, on retrouve peut-être une cinquantaine de véhicules différents, mais déclinés dans différentes livrées appartenant à différentes équipes. On peut noter tout de même la présence d'une physique un petit peu différente entre les véhicules thermiques et les véhicules hybrides, en la personne donc cette nouvelle Audi 2022 qui arrive, et les véhicules sont donc répartis sur les éditions 2020, 2021 et 2022 de l'épreuve. Un total de véhicules qui est satisfaisant pour moi, il y a largement de quoi faire, même si vous n'allez pas sentir de grande différence entre une moto ou une autre, sachant que la différence se fera surtout sur les véhicules 2, 4 roues motrices, électriques et thermiques. Les camions sont aussi intéressants, la physique n'est pas lourde et pas taute contrairement à ce que l'on pourrait croire, donc il y a vraiment de l'intérêt dans toutes les disciplines proposées. Au niveau des véhicules historiques, je ne sais pas pourquoi, mais il y a de gros manquements. Alors, bien sûr, quand on jette un coup d'œil, on comprend très vite qu'il y a un contrat d'exclusivité avec PSA, Peugeot, Citroën et que tous les véhicules historiques que vous allez avoir à vous mettre sous la main sont les 2 chevaux, les ZX Rally Raid, les 205, les 405. Il nous manque beaucoup de grands classiques. Où sont les Mitsubishi Pajero? Où sont les Renault 18 et 20 des frères Marot? Où se trouvent les Citroën CX? Bon, évidemment, je parle d'une Citroën, évidemment, il y en a une autre là, mais on aurait pu avoir des Lada, on aurait pu avoir un Mercedes. Bref, il y avait vraiment beaucoup plus de légendes et d'histoires du Dakar que l'on n'a pas à disposition. Et c'est vraiment dommage parce qu'on s'est dit, ouais, c'est bien, on va avoir tous les véhicules, on a plein de caméras, ça va être trop bien, on s'y croirait vraiment. Sauf que bah, quand on veut faire un historique, on a un Kamaz des années 80 et on se retrouve avec une 405 et une 205, bah, ça fait un petit peu pitié. Donc vraiment, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas été un peu plus loin en termes de licence. Maintenant, ça reste un petit studio. Je pense pas qu'ils aient eu le budget pour, mais c'est vrai qu'avec Citroën, on peut revivre quelques décennies du Dakar. Mais si vous voulez repasser dans les années 80 avec et les 505 et j'en passe, les buggy de Jean-Louis Schlesser et autres, bah non, vous n'allez pas trouver de Volkswagen Touareg. Enfin bref, je vais arrêter d'en citer, mais voilà, il y a vraiment un gros manquement au niveau des véhicules historiques. En termes de spécial, on retrouve 130 sections définies dans une map totalement ouverte, située bien sûr en Arabie Saoudite. Elles sont toutes issues des relations et des villages dans lesquels vous allez avoir des spéciales officielles.
Donc franchement, c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai pas été vérifié, donc je ne sais pas si véritablement c'est intéressant. Et le contenu sera étoffé avec une map entièrement ouverte qui sera disponible. On avait un sentiment de liberté dans le précédent jeu où on n'avait pas forcément de traces, où il fallait se débrouiller, etc. J'ai le sentiment que dans cette version-ci du jeu, on a plus facilement tendance à vous aiguiller et que le roadmap n'est pas le plus utile que ça. Si vous suivez un petit peu les consignes du copilote, ça peut être suffisant. Donc vraiment, en termes de contenu, je pense que la map est suffisamment variée et que le nombre de véhicules peut vous satisfaire pour une rejouabilité assez satisfaisante. Pour emprunter tous ces véhicules, évoquons les modes de jeu. Le mode solo va principalement prendre votre temps dans ce Dakar Desert Rally. Le jeu en multijoueur est possible, que ce soit pour une spéciale rapide ou pour effectuer un time trial, ou en tout cas se battre contre vos amis sur Steam ou sur votre console préférée. Le mode course rapide vous permet de sélectionner un véhicule où ils sont tous débloqués et une section ainsi qu'un des conditions météo et vous pouvez participer à la spéciale chronométrée que vous souhaitez. Le mode carrière est aussi disponible, il n'a que peu d'intérêt, on y reviendra un petit peu plus tard. Tout droit sur les traces, boss. 1 km, serré à droite. Vous vous attendez sans doute à une réalisation exemplaire d'un petit studio méconnu, d'une petite pépite, et non pas d'un énième jeu fait avec une licence dont on n'a pas les moyens des ambitions. Je suis navré de vous décevoir, mais c'est malheureusement encore une fois le cas. Ce jeu a des menus très classiques, assez impersonnels, enfin en tout cas moi je n'aime pas y passer du temps. La réalisation fait que les temps de chargement sont vraiment moyens, enfin moi j'estime qu'un temps de chargement est trop long quand on se rend compte qu'on est dans un temps de chargement. Voilà. Et là franchement le nombre de fois où je me dis « Ah allez, il faut que ça charge », c'était un petit peu désagréable dans la fluidité de mes activités, de mon temps de jeu. Néanmoins, ce titre gère le RTX et le DLSS de chez Nvidia. Le HDR est là, mais il y a vraiment des choses qui sont très 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 inexcusables en 2022. Des chargements de textures très complexes, notamment au niveau d'étoiles, des pneus, même des cardans qui apparaissent au dernier moment sur les voitures, c'est un peu compliqué. Les effets aussi sont limités, même si on a des saletés sur les véhicules, des traces dans le désert, etc. C'est vraiment très succinct. Les paysages sont corrects, les effets météo aussi, même si on a du clipping et des chargements de textures qui sont parfois aléatoires, notamment je vous dis les toiles, que ce soit sur les camions ou les guidons parfois, c'est vraiment très très bizarre. J'ai utilisé le mode de graphisme le plus élevé sur le jeu et malgré tout il y avait encore des grosses lacunes en termes de finition. Les effets de lumière quant à eux sont plutôt corrects, quand on roule sous la pluie ou de nuit, vraiment les phares sont utiles et ça donne une ambiance parfaitement correcte, donc là franchement c'est plutôt pas mal. Alors le copilote fait vraiment partie pour moi d'un des points de gameplay et de réalisation très important. Il est plutôt low-caste et réactif, il est en français en texte sous-titré, donc si vous avez votre moteur qui vous hurle un petit peu dans les oreilles, vous pouvez toujours lire la note. C'est un jeu qui est accessible aux débutants, alors il ne faut pas se dire que le Dakar est réservé à l'élite des fans de sport mécanique et que vous n'allez pas pouvoir prendre votre pied en jouant ici. Bien sûr, vous allez pouvoir vous amuser. Ce titre est vraiment très sympa, accessible avec trois modes de difficulté différents, débutant, baroudeur ou expert. Et quand vous êtes en mode débutant, vous allez avoir des balises, des flèches, bref, vous n'avez presque pas besoin de regarder le roadbook, c'est de la course point à point, comme on peut avoir dans un driver, dans un test driver limited ou dans un Forza Horizon finalement. Donc les conditions climatiques, je l'ai dit, sont complètes. On a de la neige, de la pluie, on a l'évolution de la période de la journée également, donc ça c'est vraiment pas mal. Les caméras ont été relativement bien travaillées, même si à l'intérieur du cockpit, votre pilote a parfois les mains fixes. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est vraiment dommage, ça enlève énormément à l'immersion. Mais les mains du pilote sont parfois fixes, notamment sur les véhicules historiques. Mais voilà, les caméras, donc je disais, sont plutôt complètes. Un petit bonus avec la caméra hélicoptère, qui pour moi est vraiment original, ça vous permet de suivre la course d'un point de vue en hauteur, comme si vous étiez dans l'hélicoptère qui suit les véhicules qui évoluent. Franchement, ça c'est un petit plus très sympa. Gestion des phares et des essuie-glaces manuels, gestion du carburant aussi et de la température de votre moteur en fonction de vos dégâts. Bien sûr, vous pouvez utiliser des dégâts qui sont plutôt succincts, visuels ou complets, et là également il faudra gérer les pannes mécaniques. Pas encore de mode replay ni de mode photo, c'est assez scandaleux, mais en 2022 vous ne pouvez pas jouir d'un jeu sorti avec un mode replay et un mode photo à sa sortie. C'est montré comme étant dans leur roadmap de développement du petit studio. Franchement, alors je ne sais pas si le jeu devait sortir absolument pour l'édition 2023 du Dakar et qu'on s'est dit les gars on va le torcher pour qu'il sorte début novembre ou début octobre,
Mais là, c'est pas acceptable. Je suis désolé, on peut pas sortir un jeu aujourd'hui qui n'est pas un mode photo ou un mode replay inclus de base. C'est juste une honte. Voilà pour les manquements et les choses positives que j'ai à dire sur la réalisation du titre. Entre les cailloux. Sujet évidemment principal d'un jeu de course, la physique et le force feedback. Alors tout simplement, le force feedback, ça va être très vite réglé, incapacité totale de paramétrer un volant dans le jeu. Alors, je sais que beaucoup de jeux récents ont eu des soucis, je sais que certains de mes collègues se sont plaints notamment de WRC et d'autres titres qui n'ont parfois pas la reconnaissance complète de volant. Je vous avoue que mon Direct Drive Fanatec, j'y ai passé 2 heures, j'ai lâché l'affaire. Impossible de faire mettre les palettes sur plus et moins pour passer les rapports de boîte. Pas d'embrayage, pas de frein à main, donc j'ai tout simplement lâché l'affaire. J'ai cherché sur des forums, mais si vous avez une solution, merci. Mais moi en tout cas, je n'ai testé ce jeu qu'à la manette. Et justement, le gameplay à la manette, il est plutôt agréable. Pas mal de vibrations manquantes, je trouve que c'est très fade sur PC avec une manette Xbox One. Je ne sais pas ce que ça donne sur PlayStation 5, je ne sais pas si la DualSense offre quelque chose de supplémentaire, mais moi j'ai trouvé ça très fade et impersonnel, et hormis des vibrations et des gros chocs lorsque vous passez une dune, pas grand chose en plus dans les sensations. Les aides qui biaisent le ressenti et envoient en tête à queue. Alors ça, c'est un gros problème, j'ai le sentiment qu'une aide à la stabilité ou un anti-patinage, que ce soit à moto ou que ce soit en voiture, lorsque vous donnez beaucoup trop d'angle à votre véhicule, il ne peut pas revenir. Donc si vous voulez prendre un virage serré ou un virage à très haute vitesse où vous insistez un peu trop sur le virage, la voiture va transférer les charges, vous allez vous écraser comme si vous preniez un roulis pas possible et la voiture va tout simplement glisser et tourner sur elle-même. Mais c'est la même chose sur les quads, sur les motos et sur les buggy. Donc c'est juste impossible, seuls les camions qui sont un peu trop pâteaux avec leur poids n'ont pas ce problème, mais ça pour moi c'est juste inacceptable. Alors j'ai essayé avec et sans assistance bien sûr, mais le problème se représente à nouveau. Donc c'est pas un correcteur de trajectoire, c'est rien de tout ça, c'est juste que dans la physique, si vous prenez un angle trop important, votre véhicule part en tête à queue et impossible de le récupérer, c'est juste incompréhensible. Bien sûr, si vous êtes débutant, vous avez toutes les aides possibles avec l'ABS, le traction control et la stabilité. Les dégâts sont complets et visuellement plutôt réalistes, c'est assez sympa. Les chutes en moto et quad se font de manière un petit peu rude, c'est pas mieux ou pire qu'un MotoGP par exemple. Mais force est de constater qu'au niveau de la sensation de vitesse, quand on est en moto ou quand on est en quad, ça fait vraiment le taf, surtout en vue première personne. Donc, les sensations de vitesse dans le gameplay, c'est plutôt cool. Pas de flashback, Dieu merci, pas de flashback. Mais par contre, vous avez un mode remise sur le bon cap qui vous remet tout simplement au dernier point de contrôle validé que vous avez emprunté. Alors l'IA est toujours à votre portée, c'est le syndrome Need for Speed. L'IA qui, une fois que vous êtes devant, va quand même vous rattraper si vous faites beaucoup de bêtises, mais en temps normal, si vous avez jaugé la difficulté à un niveau qui vous correspond, bah, vous n'allez pas forcément être embêté. Parfois l'IA est un peu trop bête, elle ne vous calcule pas, notamment dans le mode le plus facile où vous démarrez non pas chacun votre tour au chrono, mais bel et bien en peloton avec un mode, encore une fois, un peu à la Forza Horizon. Vous êtes 6-8 véhicules et vous allez partir en groupe dans la spéciale. Ça va vous permettre évidemment de vous y repérer, mais bien sûr vous allez tomber sur d'autres véhicules qui parfois vont vous rentrer dedans comme si le désert n'était pas assez grand en Arabie Saoudite. Autre point intéressant aussi, lorsque vous êtes trop à l'avance, vous allez rattraper des véhicules d'autres catégories. Donc si vous partez en voiture, vous pouvez doubler des camions, des motos qui sont sur votre chemin, c'est plutôt pas mal ça, il faut le reconnaître. Pas de panne d'éléments extérieurs, on ne quitte pas sa voiture en cas de problème, ça c'est un peu dommage. Et les résultats ne sont pas toujours établis non plus, même si globalement vous allez retrouver les Audi électriques aux avant-postes, ça peut varier, c'est pas toujours une surprise, mais c'est souvent les mêmes qui restent aux avant-postes, donc que ce soit la Peugeot DKR de Romain Dumas ou le Proto ProDrive de Sébastien Loeb ou l'Audi 2022. Donc globalement, on retrouve un peu les mêmes devant, mais c'est pas toujours le premier qui gagne, c'est plutôt pas mal. Tout droit sur les traces, danger 3. Depuis l'entame de cette vidéo, vous avez pu ou réussi peut-être à entendre entre chacune des phases un petit moment de gameplay avec l'audio du jeu. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le point le plus marquant de mon expérience. Bien au contraire, les sons des moteurs sont plutôt médiocres, pour ne pas dire aller moyens dans certains des cas. Il est aujourd'hui pas très compliqué de faire le bruit d'un véhicule électrique, ce n'est qu'une soufflerie, mais dans les moteurs thermiques, eh bien ça ronfle un petit peu et c'est pas vraiment très varié. Bien sûr, les véhicules, eux, ont leur bruit avec leur rapport au sol, donc que ce soit de l'eau, du sable ou du gravier, on ne sent rien, on n'entend rien, on n'a pas le sentiment parfois de taper. Le bruit des chocs est vraiment pas convaincant, c'est juste un bête claquement, et le bruit des chutes non plus. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas d'ambiance.
pas du tout de public non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage où on est dans un secteur où il y a éventuellement, je ne sais pas, un village, un checkpoint ou quelque chose. Il n'y a pas âme qui vive entre le départ et l'arrivée. Alors certes, c'est bien pour l'immersion, mais je trouve que, voilà, on a déjà vu du public, que ce soit en Arabie Saoudite, en Argentine ou ailleurs dans le Dakar. Donc, pas d'ambiance au niveau public. Les musiques du jeu sont dignes des reportages France 3 du Dakar des années 2000, donc ça vaut pas du tout le niveau de ce que pourrait être ce jeu en termes d'ambiance. Et surtout, au départ, vous ne désactivez pas la musique in-game, mais pendant les spéciales, il faut vous y retrouver entre le bruit de votre véhicule, les paroles de votre copilote et la musique en plus. Ça fait juste beaucoup trop. Donc non, il faut absolument oublier la musique en jeu et on passe un moment beaucoup plus immersif. Donc non, pour moi, il n'y a rien à sauver dans le son de ce jeu. C'est parti. 1 km, virage à gauche en approche, danger 3. Le mode carrière, je voulais brièvement évoquer en tout début de vidéo. Alors ça va être aussi une section rapidement conclue dans ce test. Bah, en quoi consiste ce mode carrière? En une série d'épreuves. Alors tout simplement, vous prenez un véhicule d'une catégorie, vous remplissez votre mission, et une fois que c'est fait, vous passez au véhicule suivant. Ça permet de débloquer le contenu et les véhicules historiques, mais au-delà de ça, ça n'apporte absolument rien. C'est un simple enchaînement de courses sans aucune autre carotte au bout. Il n'y a pas de livret, il n'y a rien. Donc c'est juste, ok, vous avez complété ça, maintenant on vous débloque l'étape suivante ou le véhicule suivant. Pas d'évolution de compétences, pas d'équipe, pas d'achat de pièces de performance, il n'y a rien à gagner. Donc franchement, pour moi, ce mode carrière, il est inutile. Il n'a pas de sens puisqu'il n'apporte rien, hormis peut-être le mode solo, où là on peut juste découvrir son véhicule. Bah là, qu'est-ce qu'on gagne? Bah juste le fait de se produire un garage où on pourra le montrer à ses copains. D'ailleurs, il faut trouver des copains qui jouent à Dakar Desert Rally. Mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de ce mode carrière. Tout simplement, il est inutile et c'est franchement dommage parce que on pourrait avoir justement une belle histoire, un beau lore. Le fait de débuter avec une équipe privée, le fait de la faire évoluer, d'être signé chez un grand constructeur, de faire pourquoi pas un palmarès avec un profil pilote ou à l'image de Peter Ancel, de Luc Alphand et d'autres, l'avoir fait avec une moto, avec une voiture, un camion. J'en sais rien, ça pourrait être top d'avoir ça et il n'y a absolument rien d'exploité là-dedans. Donc franchement, le mode carrière, c'est un gros zéro pointé. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la conclusion de ce test de Dakar Desert Rally. Alors, c'est un petit peu délicat quand même, parce que, faute de concurrence, ce jeu est un petit peu un choix par défaut. Si vous êtes fan de ce genre de titre, de ce genre de gameplay, bien sûr, je vous dirais d'aller sauter dessus. Maintenant, honnêtement, pour ce que représente le jeu et ce qu'il a comme contenu, pourquoi pas se diriger vers le précédent jeu du Dakar, qui se trouve aujourd'hui dans toutes les bonnes boucheries, à un prix beaucoup plus démocratique. À moins d'être fanat de la discipline ou de ce type de course, je ne vois pas en quoi ce jeu est un indispensable dans votre bibliothèque. Honnêtement, on s'en lasse très vite. Maintenant, si vous êtes un peu plus casual et que vous voulez vous détendre avec une expérience un peu différente, que vous avez eu de bons souvenirs avec Dirt 4 ou avec des jeux de ce style, eh bien rien ne vous empêche de prendre Dakar Desert Rally et de l'utiliser en mode casual avec les waypoints et de compléter tous les checks, tous les succès possibles. C'est pour moi le seul intérêt de ce titre. Bien sûr, on joue un petit peu sur la fibre passionnée avec un trailer avec la 405, mais honnêtement, la 405, vous la pilotez, elle n'a pas des sensations différentes, la physique n'est pas folle. Donc oui, c'est grand, c'est plutôt correct visuellement, il y a pas mal de véhicules pour s'amuser, mais au-delà de l'effet waouh de changer de style de jeu, ben, vous allez très vite vous lasser. Pas de mode carrière intéressant, la rejouabilité est très limitée, et surtout, je pense qu'à un moment, vous allez juste en avoir marre de faire 10, 15, 20 fois la même étape, juste avec un autre véhicule et de ne pas découvrir de nouveaux horizons, d'autres animaux, d'autres villages, d'autres environnements, d'autres conditions météo. Donc, ce Dakar Desert Rally n'est pas un mauvais jeu fondamentalement, mais est-il indispensable dans votre bibliothèque Steam? Non, clairement pas. Voilà, écoutez, je n'ai pas franchement grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est un sentiment de trop peu qui m'envahit si je vais conclure mon ressenti sur le jeu après plusieurs heures de gameplay. Je vais en terminer là. Merci à tous d'avoir suivi ce test éclairé et argumenté. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Je vous invite à commenter cette vidéo si vous aussi vous avez testé ce jeu. Vous allez retrouver dans la description tous les liens utiles vers le jeu. Il est disponible un petit peu partout. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un autre test dans quelques jours ou dans quelques semaines. À la prochaine. Ciao. 2 km, danger 2.